Monsieur Yassine Rida Redouane, bonjour. Bonjour madame et bonjour à nos amis auditeurs de la chaîne 3. Alors nous allons aborder ensemble cette nouvelle tarification de l'électricité spéciale sud consacrée dans la loi de finances 2017. Le soutien passe de 50 à 65% pour l'application. Monsieur Redouane, il ne reste plus que les tests d'application qui doivent être établis entre les finances, énergie et Sonelgaz. C'est le cas? Tout à fait madame. Donc ce soutien qui est instauré maintenant depuis 2006, avec donc les nouvelles dispositions de la loi de finances 2017, le soutien passe donc pour les ménages donc de 50% à 65% de soutien à hauteur donc de 12 000 kWh par an. Et il y a aussi pour les agriculteurs qui utilisent ou la basse tension ou la moyenne tension aussi à 65% et à hauteur donc de 12 000 kWh comme consommation annuelle. Et pour le secteur économique, le soutien passe aussi de 10 à 25% à hauteur des 200 000 kWh. Mais pourquoi on a répondu favorablement à la demande des habitants du Sud pour aller vers, bien sûr, ce soutien supplémentaire de 15%, puisque ce qui est relevé, c'est que la consommation au Sud est supérieure à celle du Nord à hauteur de 20%. Comment cela, monsieur? Oui, donc, vous savez, dans le Sud, on consomme un peu plus de l'électricité par rapport au Nord, vu les conditions climatiques, notamment dans la période été. En moyenne, le citoyen au niveau du Sud consomme quelque chose comme 5804 kWh par an et par client. Donc c'est la moyenne dans le Sud. Par contre, dans le Nord, elle est de l'ordre donc de 3569 kWh par client par an. Vous savez, avec la dernière augmentation tarifaire, ce qu'on a enregistré pendant la facturation, notamment du troisième trimestre, vous savez, notre facturation elle est trimestrielle. Donc, ce qu'on a facturé, lorsqu'on a facturé la consommation de l'été, les factures, c'est vrai, étaient un peu dures pour les clients du Sud. Et c'est pour cela, donc, en répondant donc un peu à la sollicitation des citoyens du Sud, il y a cette nouvelle disposition pour augmenter le seuil, donc, il passe de 50% à 65%. Et le soutien et le seuil aussi qui passe de 10 000 à 12 000. Mais ces 15% de soutien supplémentaire pour les habitants du Sud, quelles seront leurs implications sur les trois parties qui sont concernées aujourd'hui? Consommateurs, Sonelgaz et finances, donc le trésor public. Bon, c'est clair, pour le consommateur, il va bénéficier donc de 15% de plus qui sera pris en charge par le trésor public. Donc il ne payera que 35% de sa facture. Pour nous, donc Société Distribution, il n'y a aucun impact puisque ce que ne paye pas le client est remboursé par le trésor public. Par contre, le trésor public il va donc supporter cette différence. Si on se réfère aux chiffres de l'année 2015, où le soutien a été à hauteur de 8,5 milliards de dinars, certainement pour 2016, avec aussi l'effet volume, il passera peut-être autour de 10 milliards de dinars de soutien. Donc il va y avoir quelque chose comme 1,5 milliard de plus. Alors 1,5 milliard de plus par rapport à cette consommation, l'augmentation de 15%, mais en termes de coûts par rapport à la consommation électrique au niveau du Sud, est-ce qu'on peut avoir par exemple des indicateurs chiffrés en termes de montant? C'est-à-dire le montant par rapport à la consommation au niveau du Sud, tant sur le plan de la production, donc de l'électricité, que peut-être le montant qui est consommé, qui est dépensé pour la région sud du pays. Ce qu'on a enregistré sur le Sud depuis maintenant, surtout la dernière période, donc 2008 jusqu'à maintenant, c'est qu'on évolue pratiquement avec une moyenne de 11% d'une année à une autre en matière donc d'augmentation de consommation. Mais cette augmentation de 11%, comment on peut l'expliquer? Par quoi? Par l'agriculture qui est en train de fortement s'installer au niveau de cette région? La forte consommation, c'est-à-dire des ménages par rapport au pic de chaleur en été? Le constat qui est fait, c'est que pratiquement la climatisation représente quelque chose comme 40% de la facture. Et c'est un peu ce phénomène donc de climatisation qui s'est généralisé à l'échelle du pays, mais surtout au sud avec les conditions climatiques. Avec aussi la baisse des prix des climatiseurs, on a donc enregistré ce phénomène, donc les foyers se dotent davantage de climatiseurs et ça induit donc cette augmentation de consommation et par voie de conséquence aussi le montant des factures.
Alors la consommation atteint ses pics en été particulièrement. On peut avoir une estimation sur les pics qu'on a atteints éventuellement cette année, parce qu'il est considéré comme étant l'été le plus chaud qu'on ait jamais connu. Oui, donc on a fait sur cette période une augmentation dans le sud à hauteur de 11% d'augmentation par rapport aux 7% à l'échelle nationale. Donc vous avez remarqué certainement que dans le sud, l'augmentation est plus importante. Alors, est-ce qu'on peut considérer que vous avez toutes les capacités de production actuelles pour répondre à n'importe quelle demande, en n'importe quelle saison, que ce soit oui. En période de pic, en été ou en hiver, parce que aussi au sud, il fait très froid en hiver. Oui, avec les derniers investissements consentis ces dernières années, maintenant la situation est maîtrisée, notamment sur le plan production. Donc, les capacités de production sont là pour répondre aux besoins. Si vous voulez, pour l'hiver 2016-2017, qui commence novembre jusqu'à mars, pour une capacité de pratiquement de 14 933 MW, on prévoit dans le scénario normal, c'est-à-dire hiver normal, quelque chose comme 9 900 MW. Et si l'hiver est un peu plus rigoureux, on sera à 10 500 MW max. Donc avec les 14 933 MW de disponibles, on passe facilement l'hiver. Pour l'été aussi, on aura une puissance développable comme quelque chose comme 15 677 MW pour un besoin, peut-être si avec les deux scénarios, moyen, quelque chose comme un besoin, puis une puissance maximale atteinte qui sera peut-être de l'ordre de 13 000 à 13 500 MW et qui pourra au maximum atteindre les 14 000 MW si l'été est un peu plus rigoureux. Mais est-ce qu'on peut considérer que d'autres projections pourraient être établies éventuellement sur le moyen et le long terme, d'autres investissements qui doivent être consentis de telle sorte à répondre à cette forte de demande, puisque maintenant, aujourd'hui, le Sud est devenu une région très attractive en matière d'investissement, donc peut-être la consommation va encore augmenter. Tout à fait, tout à fait. Donc, en matière de prévision, on retient le principe de rajouter au parc production chaque année quelque chose comme 1500 MW injectés pour répondre justement à cette évolution de la demande. Et ça sur le plan, sur les 10 années à venir. Donc les investissements sont déjà engagés sur terrain et on aura quelque chose comme 1500 MW nouvelle capacité de production chaque année. Mais quand on parle d'évolution de la demande, et vous avez bien sûr des bilans prévisionnels, mais ce qui est relevé, c'est que cette année, quand même, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés en matière de consommation électrique, pas de coupures comme par le passé, pas autant, hein, parce qu'il y a eu quand même des coupures. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur l'amélioration des prestations en direction des populations? Parce qu'une coupure d'électricité au nord, peut-être en période de pic, de chaleur, ça peut passer, mais au sud, quand il y a un pic, ça peut aussi soulever des mécontentements, et on l'a vu par le passé déjà. Oui, tout à fait. Au niveau de certaines régions du pays. L'année 2012 a été une année particulière où on a quand même enregistré une grande perturbation sur le système électrique algérien, mais depuis, des investissements colossaux ont été lancés et réalisés. Si je parle uniquement de la distribution, au niveau de la distribution, c'est presque 19 000 nouveaux postes MTBT qui ont été injectés depuis 2013 et plus de 20 000 km. Et justement, ça a permis d'améliorer la qualité et la continuité de service. Et les paramètres de mesure de cette qualité de continuité de service sont là pour prouver justement cette amélioration. Et c'est vrai, les deux dernières années, pratiquement, on n'a pas enregistré une grande perturbation sur les réseaux. Il y a aussi l'impact de la maintenance et de l'entretien des réseaux. Là aussi, on s'est renforcé, hein, donc avec des moyens nouveaux, que ce soit moyens humains, donc des recrutements et des formations, donc de personnel spécialisé dans la maintenance et de l'entretien des réseaux, mais aussi la modernisation des réseaux avec l'injection des nouvelles technologies pour la téléconduite des réseaux et qu'on est en train de généraliser au niveau de toutes les wilayats pour justement pouvoir intervenir rapidement et remettre l'alimentation quand il y a des incidents sur le réseau. Mais justement, par rapport à ces incidents, est-ce qu'on peut parler éventuellement des précautions, des mesures qui sont prises pour éviter qu'il y ait à l'avenir encore de coupures?
Ou alors le risque zéro n'existe pas? Bien sûr, on est sur un système technique, le risque zéro n'existe pas. Mais ce qui est constaté, c'est que du moment que ces investissements ont été réalisés, le renforcement aussi des équipes d'intervention, la modernisation aussi des systèmes donc de gestion des réseaux, a permis donc de réduire justement ces coupures. Maintenant, quand il y a une coupure, de temps en temps, quand il y a des conditions climatiques critiques ou quand il y a aussi des atteintes sur le réseau, c'est tout à fait normal qu'on ait de temps en temps on enregistre de temps en temps quelques incidents, mais l'intervention est rapide et le citoyen ne sent pas un peu l'impact de ces coupures. Alors, autre question ou autre problème auquel vous êtes confronté, c'est la question des non-recouvrements des créances qui représentent l'équivalent pratiquement de 25%. 25% pour une entreprise comme Sonelcas qui est en difficulté financière actuellement, et M. Boutafa l'a souvent répété, c'est quand même important 25%. Oui, c'est l'équivalent pratiquement de 2 mois du chiffre d'affaires qui, comme crédit client. Et bien sûr, le décret 1095, donc, qui un peu codifie les relations avec les clients, dans son article 85, il a prévu que s'il n'y a pas donc paiement de facture, on est obligé de passer à la coupure, à la suppression d'énergie. Il l'a déjà averti, le PDG actuel, de ce qu'il a fait. Oui, nous avons mené une campagne cette année, justement, pour recouvrer nos créances. Vous savez, avec la situation financière des sociétés de la distribution, pour pouvoir un peu couvrir tout ce qui est exploitation et investissement, on est obligé donc de ramener le maximum de créances. Donc nous avons mené une grande campagne, quoique maintenant le constat c'est qu'on a eu quelques difficultés dans le sud par rapport un peu à cette problématique de soutien, mais l'effort a quand même donné de bons résultats. Les mauvais payeurs, c'est qui? C'est les entreprises? Non, c'est un peu les deux, puisque sur les 58 milliards nous avons de créances, nous avons 28 milliards au niveau donc des ménages et le reste, presque 30 milliards sur l'administration. Alors, M. Yassine Redardouin, je voudrais aborder avec vous cette question. Avec cette politique de soutien jusque-là, et malgré l'augmentation, on ne paye pas le prix réel de l'électricité, puisque nous payons l'équivalent de 4 dinars, alors que la production revient à l'équivalent de 12 dinars. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette politique de soutien, nous gaspillons énormément de l'énergie? Bon, nous gaspillons, c'est sûr qu'il y a du gaspillage dans la consommation d'énergie électrique. C'est pour cela que nous menons avec aussi le ministère de l'Énergie, avec l'APRU, des campagnes un peu pour sensibiliser les clients à consommer utile. Et je vais vous donner quelques exemples sur l'éclairage, par exemple, qui représente 30% de la facture. L'éclairage public? Non, l'éclairage au niveau des domiciles. L'éclairage, c'est-à-dire l'utilisation des lampes, représente 30% de la facture et on peut gagner beaucoup en utilisant les lampes à basse consommation. Donc on peut réduire la consommation de 4 fois si on utilise les lampes à basse consommation. La climatisation aussi, qui représente un peu 40%, un peu plus de 40% de la facture, on peut réduire si on arrive à régler, à fonctionner avec climatiseur, réglé à 24 degrés, pas plus. Il y a aussi tout ce qui est appareil électroménager qu'on laisse en mode veille. Ça peut représenter quelque chose comme 10% de la facture. Au lieu de débrancher un démo, un téléviseur, quand on le laisse en mode veille, stand-by, il peut consommer jusqu'à 10%. Ça peut représenter 10% de la facture. Donc tous ces réflexes peuvent un peu réduire la consommation énergétique et par voie de conséquence réduire la facture qui peut être réduite avec quelques mesures entre 25 et 40%. Mais avec la PRU, la CREG et Sonelgaz, est-ce que vous avez peut-être mené des études pour estimer avec précision le niveau de ce gaspillage? Tout à fait. Donc ce que je viens d'annoncer, c'est ça. C'est les résultats d'études qui ont montré ce gain si on arrive à mettre en place ces réflexes. Alors ce qui est relevé, c'est qu'à travers le territoire national, pratiquement tout le pays, bien sûr avec toute sa grandeur, est raccordé à l'électricité à hauteur de 98%, il ne reste que 2%, mais le gaz par contre c'est un peu moins,
par rapport à certaines localités. Nous sommes dans la fourchette de pratiquement 50 à 55%. Tout à fait. Pourquoi? Bon, vous savez, le gaz, ce n'est pas comme l'électricité. Le gaz, c'est des conduites enterrées. Donc, il va falloir, pour pouvoir donc, réaliser ces conduites, il faut les aménagements, etc. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les localités du pays. Même si, je dois vous dire qu'on est parmi les rares pays qui ont atteint ces taux. On se rapproche un peu des 57% à l'échelle nationale. Peu de pays ont pu passer le gaz par canalisation à ce niveau-là. Et donc, quand vous voyez même des villages ont pu être raccordés au gaz, c'est vous dire un peu tout l'effort qui a été fait par l'État. Mais pour le gaz, vous rencontrez des problèmes d'opposition, c'est-à-dire les expropriations notamment? Tout à fait, le programme... Les gens demandent le gaz, mais ils ne laissent pas les conduites passer, c'est ça? Les programmes donc, d'alimentation en gaz des populations a toujours souffert de ce phénomène d'opposition qui est un peu retardé. Mais les choses vont mieux les dernières années avec un peu la sensibilisation des citoyens et l'intérêt qu'ils accordent à être alimentés en gaz a permis quand même de régler pas mal de problèmes à ce niveau-là. Après les difficultés qu'on a rencontrées avec le rude hiver qu'on a vécu en 2012, les choses sont rentrées dans l'ordre aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Plus de régions qui si sont je recordées. Prends, si je prends l'exemple de la Kabylie, la région Tizi Ouzou, l'hiver 2012 a permis une prise de conscience au niveau des citoyens qui a permis de lever toutes les oppositions et a permis au programme d'avancer de façon notable. Alors je vais vous poser un certain nombre de questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui à quand l'amélioration des prestations au niveau des agences Sonelgaz. Quand est-ce que vous allez passer à la numérisation, notamment pour ce qui concerne le paiement des factures, mais à travers tout le territoire national, ne pas se concentrer seulement sur la capitale ou les grandes villes. Monsieur Le Douet. Je dois vous annoncer, madame, que sur ce plan, nous sommes prêts, que ce soit pour le paiement par TPE ou par Internet. Nous avons fait des essais avec donc comme chef de file donc notre banque, la BNA. Et dès que la convention sera signée par monsieur le président directeur général de Sonelgaz et le PDG de la BNA, on va passer à l'action. Et dans quelques semaines, ce mode de paiement sera disponible pour l'ensemble des clients à travers le territoire national. Alors, autre question qui est posée par les auditeurs, et je la trouve très pertinente. En particulier, pour les particuliers qui ne payent pas leurs factures d'électricité dans les délais de 15 jours, il y a recours aujourd'hui à la coupure. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les entités publiques et les entreprises, les mauvais payeurs? Nous le faisons conformément à l'article 85 du décret 1095, même tout type de client. Bien sûr, pour le segment client HTMT, nous adressons des mises en demeure avant les coupures. Vous savez, dans des grands établissements, il faut les aviser. Par contre, pour le ménage, il est dit dans l'article qu'après 15 jours, on procède directement à la coupure. Ah oui, ça, c'est une disposition réglementaire. Vous venez vous couper, ça c'est clair. Hein, Quoique maintenant, je dois vous annoncer aussi que nous travaillons sur un nouveau système d'information qui gère et qui facture les clients, où on aura la possibilité déjà donc de donner des alertes aux clients par SMS, bien sûr pour les gens qui donnent leur numéro de téléphone, pour les aviser un peu des délais de paiement de facture pour qu'ils aillent payer leur facture et éviter la coupure. Donc, il y a un système d'alerte qui sera mis en place. Alors, autre question qui vous dit, pour le gaz de ville, il faudrait aujourd'hui des boucles propanées. Bon, ça c'est pour les villages isolés. Je vous donne des exemples comme à Janet, à Tamaras, quoi que ces localités-là vont être raccordées par canalisation. Donc les îlots propanés, c'est un peu dans les villages où on ne peut pas arriver avec une canalisation. Et qui coûte très cher aussi. Oui, et puis après il y a le problème d'approvisionnement par camion aussi du GPL, ce qui n'est pas aussi évident. Alors, autre question, ils vous disent, est-ce que maintenant, par exemple, pour l'électricité, il faudrait aller vers d'autres alternatives, comme le font certains pays aujourd'hui, développer, notamment encourager le photovoltaïque pour les ménages?
Oui. C'est-à-dire le solaire, notamment au niveau du sud du pays. Oui, tout à fait. Vous pour le savez. Ne pas, bien sûr, transporter des milliers de kilomètres, bien sûr, de réseau. Et qui coûte très cher. Notre pays est déjà engagé dans un programme donc, d'ENR, notamment photovoltaïque. Nous avons déjà quelque chose comme 340 MW déjà qui a été réalisé. Et puis, il y a le futur programme qui sera lancé à partir du début de l'année 2017, avec donc un nouveau cahier des charges pour appel aux investisseurs qui auront à réaliser quelque chose comme 4000 MW sur le moyen terme. Alors, ils vous disent, est-ce qu'il y aura éventuellement, je ne sais pas si vous êtes apte à répondre à cette question, mais je vous la pose quand même, oui. Existe-t-il un plan qui encourage l'installation à titre individuel de l'énergie solaire que peut subventionner l'État? Je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être mené actuellement au niveau du ministère du Commerce, de l'énergie, avec la CRIG. Oui, tout à fait, pour sortir les textes réglementaires et bien sûr, et se préparer justement pour même les installations individuelles. De dispositifs de photovoltaïques individuels. Donc les textes vont sortir et il sera possible comme un peu partout dans le monde. Alors autre question, je pense que je l'ai posée quand même et je vous la repose. Est-ce que l'ensemble des administrations publiques s'acquittent de leurs factures solaire et gaz? Est-ce qu'il y a risque de coupure pour les mauvais payeurs? Vous avez déjà informé que ça va se faire. De temps en temps, on est obligé de passer à la coupure. Hein. Après les dispositions réglementaires, mise en demeure, etc., parfois, on est obligé de couper même des lieux de consommation qui appartiennent à des administrations au niveau des communes, au niveau des... Donc, ça nous arrive de le faire. Alors, il vous dit, y a-t-il possibilité pour Sonel Gaz et les fabricants d'électroménagers et d'équipements d'éclairage de se mettre d'accord pour encourager le remplacement progressif des équipements électriques énergivores à l'exemple des climatiseurs classe G? Oui, ça c'est, moi je pense que c'est le rôle d'un peu du commerce, mais nous jouons le rôle de conseil envers nos clients pour les conseiller sur les appareils qui consomment moins d'énergie, et ça c'est notre rôle. Nous le faisons à travers donc, notre personnel qui est en contact avec les clients. Alors, autre question que vous posent les auditeurs en ce qui concerne aujourd'hui, par exemple, les prestations de services. Ils vous disent que l'installation parfois des compteurs prend 3 à 4 mois. Ils donnent l'exemple de la SDA Raya, alors que l'installation du gaz, quand on recourt aussi à l'installation du gaz, ça prend minimum un an. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'améliorer ses prestations en direction de la clientèle de ce gaz? Moi, je crois qu'il faut regarder un peu ces cas particuliers, mais en moyenne, moi, je peux vous dire que un raccordement simple, un branchement simple, pour que ce soit en électricité ou en gaz, il ne dépasse pas les 10 jours. Nous avons même, dans certaines localités, nous faisons moins, 2 à 3 jours maximum. Sur maintenant les grandes extensions, c'est vrai, bon, les grandes extensions, parce que ça engage des travaux importants, avec des autorisations de voirie, des permis de construire. Là, la moyenne pour l'électricité, elle est autour de 50 jours et pour le gaz, elle est autour de 45 jours. Mais là, il y a des cas particuliers qu'il faut voir de près. Hein. Alors aujourd'hui, vous êtes en train aussi de recourir à l'installation de ce que vous appelez, vous, les compteurs intelligents pour le prélèvement à distance. On n'aura plus les agents qui vont taper à la porte tous les 2 ou 3 mois pour faire un peu. Merci madame de me donner cette possibilité de... Même si vous recourez parfois à du forfait. Non, il n'y a plus de... Il n'y a plus de forfait pratiquement, puisque nous arrivons, avec l'introduction déjà du nouveau système de relève par terminal portable, nous allons éliminer toute intervention humaine. Donc ça sera l'appareil qui va relever l'index et qui va le passer dans l'ordinateur pour la facturation. Par rapport aux expériences donc, du smart meter, donc les compteurs intelligents, nous avons mené beaucoup d'expériences et maintenant nous travaillons avec notre filiale, l'AMC, qui est donc au niveau de l'ELMA, pour fabriquer le compteur intelligent algérien. Parce que ça ne sert à rien de faire du smart meter avec des compteurs importés. Donc nous avons choisi le chemin de le fabriquer donc, avec notre brevet et commencer à le généraliser à fur et à mesure. Et juste une remarque, c'est un investissement lourd
qui a besoin de beaucoup d'argent pour remplacer tout le parc national. Mais vous êtes en train de l'élargir à travers tout le territoire national ou vous êtes en train de prendre quelques wilayas pilotes comme Alger, oui, Blida et Boumerdès? Nous allons faire comme l'ont fait tous les pays. Nous allons commencer par des petites localités, des petites villes et aller crescendo pour généraliser. Comme je vous l'ai déjà dit, ça demande beaucoup d'argent. Alors, autre question des auditeurs qui craignent un peu les coupures, mais ils vont un peu plus loin et vous disent « Aurons-nous du délestage cette année ?» Pas du tout, pas du tout. J'ai annoncé tout à l'heure que les capacités de production vont répondre aisément à la demande. Alors, depuis quelques années, et surtout depuis la mise en service du palier de facturation, on remarque que les relevés de compteurs ne se font plus jusqu'au prochain trimestre. Et ceci implique que les clients passent direct au second palier et par conséquent à une hausse de facture. Pourquoi ne pas mettre en place des compteurs intelligents? Voilà, on en parlait à l'instant. On en a parlé, mais je vous ai déjà annoncé que on est en train de généraliser la relève par TSP, par terminal portable, où l'intervention humaine est quasi nulle. C'est-à-dire, c'est l'appareil qui aura à identifier le compteur et ramener l'index. Et on a l'obligation de relever dans les cycles périodiques, pour éviter justement qu'il y ait des cumuls de consommation sur les factures de nos clients. Mais quand il y a des cumuls de facturation, que la facturation soit surélevée ou assez quand même coûteuse, est-ce que vous procédez à un échéancier ou alors vous coupez automatiquement? Non. On procède pas uniquement en échéancier, mais à la reprise stricte de la facture s'il y a une erreur sur la facture. Ça, c'est systématique. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent quand il y a des coupures, par exemple, récurrentes et que ces coupures génèrent des incidents, par exemple, sur les installations. Souvent, on sollicite Sonelgaz pour dire, voilà, il y a eu aujourd'hui une surtension, c'est ce qui a mabousillé, par exemple, mon réfrigérateur ou mon climatiseur, mais il ne procède pas automatiquement au remboursement. Oui, parce que le remboursement passe par l'assureur. Les distributeurs ont souscrit à une police d'assurance avec la CAT pour justement couvrir ces risques. Quand c'est le système électrique qui provoque des accidents sur des appareils électroménagers, le client doit dans les 48 heures déposer son dossier au niveau de l'agence, là où il a l'habitude de payer sa facture, et le dossier est pris en charge avec, de temps en temps, il y a des dossiers qui nécessitent des expertises. C'est pour cela peut-être qu'ils mettent un peu plus de temps pour aboutir. Mais tous les dossiers sont traités. Est-ce qu'on peut considérer que les agressions sur le réseau électrique génèrent énormément aussi de problèmes à l'entreprise, monsieur Redouane? Tout ce qui est agression, je vous donne quelques chiffres hein, sur le territoire de la société que je dirige. Nous avons pour l'électricité enregistré quelque chose comme 5430 agressions sur le réseau électrique. Et pour pouvoir déplacer justement les réseaux, il faut quelque chose comme 2692 MDA. Vous voyez un peu l'impact de ces agressions. Il y a aussi le gaz. Donc tout ce qui est agression sur le réseau gaz, je vous donne aussi un chiffre pour 2016, c'est presque un peu plus de 26 000 clients qui ont été coupés suite à des agressions sur le réseau gaz qui est enterré. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous êtes en train d'améliorer davantage les prestations de services? Et une dernière question, je vais vous la reposer juste après. Oui. Est-ce que votre préoccupation première, c'est le client? Le client, il est au centre d'intérêt du distributeur. Nous travaillons pour le client et nous apportons beaucoup d'éléments de modernisation des réseaux pour justement améliorer la qualité de service assuré au client. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous payons le prix de l'électricité au prix réel? J'ai donné quelques indicateurs chiffrés tout à l'heure. J'ai parlé du niveau de la production qui est pratiquement à 12 dinars et nous payons les consommateurs et les ménages et toutes les grandes entreprises l'équivalent de 4 dinars. Mais certains considèrent que les factures demeurent élevées aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils l'expliquent? Élevées peut-être par rapport au pouvoir d'achat, mais les chiffres sont là, sont clairs. Le prix moyen actuellement, il est un peu plus de 4 dinars, mais si on intègre tout le cycle de production, transit et distribution,
on tourne autour de 11 dinars le kilowatt, et vous avez remarqué un peu la différence. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez mis en place une tarification, c'est-à-dire graduelle, les gros consommateurs payent beaucoup plus que les ménages? Ou c'est par palier de consommation? Vous savez, les tarifs, c'est du ressort de la CREG. Il ne faut pas oublier aussi, pour l'industrie, pour l'agriculture, il faut aussi qu'il y ait des tarifs qui encouragent l'investissement. Mais en moyenne, le client domestique, il paye autour de 4 dinars, le client moyen tension autour de 3 dinars, et le client haut tension autour de 10 dinars le kilowatt. Monsieur Yassine Redardouane, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Mais avant de clore cette émission, je voudrais juste répondre à un auditeur qui nous a contacté sur la page Facebook, estimant qu'il a été lésé parce que ses questions n'avaient pas été posées. Je voudrais aussi informer les auditeurs que parfois les questions arrivent après la fin de l'émission. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, madame.